Mais qui dit qu'il n'y avait pas de chevaux dans les nuits, ça. Pour une salve d'honneur, approvisionnez vos armes. Charge à volonté, chargez vos armes. À mon commandement. On joue. En cette semaine de mai, l'intersociété de Wörth commémore 1870 avec un festival historique qui devra rappeler aux visiteurs que ces hauteurs furent le théâtre d'événements aux tristes conséquences pour la France. Le 6 août 1870, sur ces vertes collines, deux peuples, l'un sous le commandement du prince royal de Prusse Frédéric, l'autre sous celui du maréchal de Mac Mahon, s'affrontèrent dans un choc d'une rare violence sur un front large de 6 km entre Morsbronn et Langsulsbach, laissant sur le terrain 20 000 morts et des civils meurtris au plus profond d'eux-mêmes. La défaite de Mac Mahon fut cuisante. Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, la France, blessé dans sa chair, dut céder à l'Allemagne l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et il est de notre devoir, à présent, d'inclure dans ce festival une cérémonie du souvenir à la mémoire des 20 000 combattants, français et allemands, qui ont laissé leur vie le 6 août 1870 pour des objectifs qui n'étaient pas les leurs. Des milliers de morts de part et d'autre. Tel est le lourd bilan de cette bataille. Les communes de Wörth, Frochwiller, Reichshofen, Gunstedt, Gersdorf, Langensusbach, Morsbronn portent les stigmates de cet enfer. Dans toute la campagne, nous rencontrons au détour des chemins les tombes de ces jeunes hommes arrachés à la vie. Que ces habitants de Frochwiller, qui en 1870 sont enterrés côte à côte dans la même tombe, soldats français et allemands, soient le symbole de cette réconciliation. Nous, Européens, héritiers de cette mémoire, notre devoir est de transmettre ces valeurs à nos enfants afin qu'ils deviennent les gardiens de la paix. Souvenons-nous du sacrifice de nos aïeux. Come here!
Là, ils attaquent.
Moi j'ai fait tout un système spécial. Attends, je vais le mettre sur la table parce que je vais sortir ce qu'il y a dedans. Tu vois, Roger, il est bon camarade avec le caporal. Mais bon, à la caméra, ma bluff, franchement, on va s'envoyer des billets. Quelque chose, parce que sans l'impression, qu'elle a le mérite de voir. Tiens, lève-toi voir, le monsieur, il veut filmer.
Il est blessé. On va passer au bobo. Voilà. Allez, allonge-toi. Voilà, repose-toi. Dors bien. Tiens, ça va. Je te donne ta chaise. C'est celui-ci qui est celui-ci là, il est né en 1810, le 27 avril. C'est que le 36, voilà. Vous voyez, comme il est. Donc un petit peu tout le pédigré et les états de service de ce monsieur Barou. Hein. Oui, bien sûr, oui. De quel bâtiment ? Un Allemand. Il a pris une capsule de quoi ? Il a pris, je sais pas, une capsule ou un truc comme ça. Un truc qui est rentré dans la jambe. Pas un gros trou, ça, quand même ? Non, c'est un tout petit trou. Bah, tu avais dans ton bas tout à l'heure ? Bah, je sais plus. Tu les as rangés en... C'était tout. Et là, ça sent pas beaucoup, alors que sur le Dresse, il fallait... Bonjour. Bonjour. Et regarde. T'as quoi, le monsieur, il boit sa bière. Regarde. T'as vu? T'as vu? C'est un restaurant qu'ils ont. Attendez. Là, il faut pas qu'il pleure. Ça fait du bien. S'il pleut. Non, Lucas, arrête. Thank you.
Thank you.
Vraiment de peur ou finalement pour l'armée française, malheureusement elle avait un impact et ils font ça avec beaucoup de conviction et ceux qui ont eu la chance hier après-midi d'être présents ont pu voir. Les chapeaux de ces groupes
par la suite, en 1873, il est même élu président de la République. Autant militairement il était bon un certain temps, autant en tant que policier. Parce qu'à un certain moment, en 1870-71, pendant le conflit, elle a pu se réfugier, justement, outre-Manche. Quand il a été à Orléans en anglais, c'est lui aussi qui a dit « Je suis, je reste » après le siège de Malakoff. Je vous laisse observer aussi vos pouvoirs. Le miroir ici, c'est votre condition qui est présidente. Pour l'imagination, bien sûr. De part et d'autre, de votre sac des chevaux à rester un peu en plus. C'est vrai que la miroir n'a pas forcément l'habitude d'être confrontée à une pression de l'ambition. Et très médiocre, vous comptez fut préchauffé. Vous mangez tout, un niveau qui serait bien réchauffé. Voilà, M. Poir, mais il ferme le micro. Alors, on était là, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des tours. Ce sont tout simplement des tours. Ah, c'est la prison, c'est fini là.
un aspect psychologique très fort sur la limite d'efficacité.
Là, lui, comme moi. Ah, là, devant, il va en Marseille, tu vas jouer.